Bon, ben c'est parti pour une nouvelle saison, saison de moisson, de battage et tout, avec cette année plusieurs sorties pour la lieuse, faire des gerbes de blé puis le battage. Première opération, ben c'est simple, c'est mettre la lieuse en position de travail. Elle vient de sortir du hangar, elle n'a encore pas fonctionné, donc là elle est en position de route sur le long, mais on va la mettre en position de travail pour couper des gerbes de blé dans le champ qui est juste là à côté de nous. Attends, faut enlever la flèche. Adapter, oui. Faut qu'on la bascule à l'arrière. Il faut qu'on bascule la machine à l'arrière. Déenlever la flèche. T'as-tu dans là? Attends, mais où c'est qu'elle est la flèche? Elle est là. La flèche, elle est là. Bouge pas. Ah, mais d'accord. C'est pas trop lourd, ça va. Pareil, je savais pas. Ça, c'est fait. C'est en équilibre. Ça vient là. C'est en équilibre. Voilà. Maintenant, ça, là. Oui. Voilà. Oui. Et ça va dessous le pas. Et ça c'est pris dans, je sais plus quoi, c'est pris quelque part. Voilà. Voilà. On appuie dessus, on enlève l'autre. Mets un petit peu. Ah d'accord, j'ai une bague. Voilà. Et puis t'as ton tyran là, qui est dessus, là, qui vient s'enclencher là. Voilà. Et c'est ça qui est là, qui vient là. Ouais. Voilà. Un gars qui connaît ça. Ah oui, bah. Voilà, maintenant, on pose tout ça. On la retire un peu. Ici, on va la relever. Ça vient là. On n'a pas assez là. Deux. Si, ça va. Si, voilà. Ça va, un petit trou là. Maintenant, on va la mettre tout de suite. Tout de suite, vas-y. Encore un haut. Encore un peu. Il y a des tendeurs exceptionnels. Voilà. Mets tout par terre. Non, là t'es trop pris, la prendre la gueule. Tu l'attelles maintenant, non? Oui. Oui, le rabatteur. C'est vraiment comme une moissonneuse. Ah là là, je suis ici. Attends, mais il y a un sens. Il y a un sens, hein. Ah. Il y a un sens. Le bon sens près de chez vous. C'est le crédit la bricole, le bon sens. T'as une clé à un endroit. Attends, tourne. Tiens, là t'es pas mal, arrête. Attends, t'es pas dans le trou. Attends, mais faut que tu filmes. Là, non, ça va pas. Tourne encore un tour. Ils sont décentrés, il y a un détrompeur. Mais c'est dans votre sens. Non, là t'y es pas encore. Non. Vas-y, quand un petit coup, on arrive à bout des grandes femmes. Hein. Là, attends, arrête. Là, tu dois être dedans. Là. Ah oui, ça y est, là, pousse, mais pas dans la culotte. Aïe! Ça dégoûte trop ce cri. Là, tu y es dedans. Là. Alors maintenant, machine là, viens là. Retire un peu. Pas un peu. Aïe! Voilà, bon. C'est automatique. Bon, là, t'as à l'heure. Bon, ça démarre. Attention. On chauffe un peu la bougie avant. Ça ne démarre plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de contact. Comme les batteries, non? Pas grand-chose là-dedans. Ça chauffe. On est tous passionnés de mécanique. Ça, évidemment, il le faut. Il faut savoir un petit peu, il faut être un petit peu quand même au courant des choses pour acquérir ces machines, les remettre en état, les faire fonctionner, intervenir quand il y a besoin. Bon, faut être quand même un petit peu du métier, c'est vrai. Expliquez-moi un peu toutes ces manettes. Ça, c'est pour relever et baisser le rabatteur, n'est-ce pas? Comme ça, voilà. Ça, c'est
c'est pour l'avancer ou le reculer. Ça, c'est pour déplacer le lieur là-bas. Pour faire des belles gerbes bien liées par le milieu. Et ça, c'est pour régler la hauteur de coupe. Ça, c'est toutes des commandes hydrauliques, n'est-ce pas? Des commandes hydrauliques à la force du bras. On est prêt à travailler. Vas-y. Le point faible de la saison, les toiles sont fragiles. Parce qu'avant, c'était tiré par des chevaux. Donc quand ça bourrait, le cheval, ça le calait. Mais le tracteur, lui, ça le cale pas, il continue. Donc les toiles, c'est pour ça que tu as mis un jeu de toiles d'avance. Au cas où. Normalement ça marche. Bon. Ça c'est du tracteur. Vas-y, avance, Claude. Avance doucement. C'est le gars qui est devant. Vas-y Claude, et on va te payer l'apéro après. Tu vas ouvrir deux tournées. On y va. Bon, j'ai commencé très jeune à la ferme paternelle. Je crois que mon père a eu son premier tracteur qui était un petit McCormick Framal Cube en 1956-57. Ça, c'était le début du premier tracteur à la ferme. Mais il y a surtout une anecdote intéressante, c'est qu'à l'époque, donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des gerbes pour la batteuse. La batteuse qui venait à la ferme, c'était la batteuse de la Cuma. Bon, la batteuse de la Cuma, c'est quand même un gros ensemble comme on va faire aux comices dans 8 jours. La presse, la batteuse, et il y avait la fameuse société française. Le tracteur société française, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Quand la batteuse venait à la ferme, surtout pas à l'école, essayer de comprendre comment cette fameuse machine peut fonctionner avec une personne qui est dessus qui met une gerbe de blé, la paille vient d'un bout, le grain vient de l'autre. Ça, c'était vraiment un mystère. Et le gars qui conduisait le tracteur, je ne le lâchais pas d'une semelle parce que ce poum poum poum, ce tracteur là, le voir démarrer, le mettre en marche, ça, c'était vraiment un spectacle fantastique pour moi. Et à l'époque, je disais, quand je serai grand, j'en aurai un comme ça. Et aujourd'hui, j'en ai même plusieurs. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve, un rêve d'enfant si on peut dire. On a surtout aussi un devoir de mémoire envers les nouvelles générations qui n'ont pas connu ces engins-là. Parce que ça, c'était notre enfance, on l'a connu. On a vu, nous, la progression du monde agricole. Aujourd'hui, on est arrivé peut-être à un summum avec des machines hyper sophistiquées électroniques, mais toute cette évolution depuis la faux, la javeleuse, la lieuse, on les a vus, on les a connus, on les a vécus à la ferme. Donc aujourd'hui, nous, on le connaît, mais les générations, les jeunes d'aujourd'hui, eux, n'ont pas connu ça. La seule façon dont ils peuvent le voir et le connaître, c'est en venant nous voir et en regardant avec nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on perpétue ces gestes d'antan pour ce fameux devoir de mémoire.
elle attache la lieuse. Elle coupe, elle attache, elle fait un nœud qu'on appelle une gerbe de blé. Bon, là c'est casse-croûte. À la fois j'avais dit, le tour du champ c'est le tour le plus grand. Oui. C'est le plus long. Il y a mon père, putain, des bâtards, il va vous l'en donner. Mon père, il bougeait. Oh, là, magna. Oh, ça, cac. Il est magé. Putain, des bâtards, il arrive au bout. Oh, non, c'est bien. Je me rapproche. Non, maintenant il tape sur un ordinateur, le tracteur il part tout seul et puis il fait tout, il revient. Mais il fait pas les quoi pour maman. Il retourne au garage. Je retourne avec 2 hectares, mais sur au moindre mètre carré, non, il n'est pas perdu. Dites donc, ils sont pas véganes, vos invités, hein. Mais il tient la table, hein. Il tient la table. Je sais pas, très jeune, dans la ferme des parents, avoir ces fonctions-là, la moisson de tracteur et tout. Et puis là, je sais pas, j'ai dû faire ça pendant près de 65 ans. Jean, hein, ça se révise l'hiver. Bah voyons, oui. Mais il n'a pas le temps, l'hiver. Il allait bien pourtant jusque-là. Oui. Ah ben, il était vivant avant d'être mort. Il était mort l'hiver. Hein. L'hiver avec la voisine. Oui. Oui, puis t'avances. On détaille, t'avances. Allez hop, on détaille. Évidemment, aujourd'hui, ça serait plus pensable pour du monde agricole de travailler comme ça. Aujourd'hui, pour nourrir la planète, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens, c'était différent, mais on fait coexister les deux et ça c'est très bien. Alors, fais le mouillette. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me rappelle mettre le pied, le petit ballon. Allez, 2 dessus en chapeau, et voilà. Alors, mets un peu. Voilà, vous le donnez en dessous. Une mouillette, voilà.
Donc là, il y a un petit peu d'herbe, l'herbe va mourir dedans, parce que là, on peut manifestement pas l'étincer avec, il y a trop d'herbe, ça peut chauffer, puis voilà. Pourrir. Hein. Donc comme c'est attention. Là, tu vois, ça mouille pas, ça. Hein. Il peut pleuvoir. Si ça pleut, bah, la pluie suit, la paille et tout. Et avant de les ranger, bah, on les écarte, on les fait sécher et on peut les rentrer. Et c'est facile à compter, parce que là, on a mis 8. Donc on compte bah, par multiple de 8. On sait combien il y a de germes dans le champ. Mais les mouillettes, c'est pas pour les œufs durs.